Salut les amis, aujourd'hui on a changé le jour, on part samedi après-midi, on s'est motivé un petit peu avec Philippe histoire de ne pas rater une petite sortie parce que tellement chié le week-end dernier qu'il faut reprendre la forme rapidement. Alors on est parti pour en chier sur les hauteurs de Méhoun, un kilo de plus sur la balance et c'est pas du muscle depuis le week-end dernier, donc il faut vraiment se remettre en question. Allez, à tout de suite en VTT, on va en chier un petit peu. Allez, c'est parti, un petit peu de route goudronnée. Eh ben, on est déjà en train de cracher les poumons. Déjà à l'agonie. Les trois mauvais élèves du club, ils sont là. Ouais, j'en connais d'autres. Ouais, c'est vrai, mais bon, ils sont pas là. Là, on a perdu. On a Baba et le nouveau vélo. Et ouais. Un joli scalpel. Regardez-moi comme il est beau. Il va bien, c'est moi qui ne vais pas bien. Ouais, pour l'instant, il n'utilise pas à 100%. Là. Bon allez, on va essayer de survivre à cette première montée. Ouais, c'est son rythme à Baba, là. Il est en train de nous mettre la misère. Finalement, il aurait pas dû changer de vélo. Je te le dis, moi. Allez, normalement pour les vrais, c'est à droite. Avec des petites montées single cardio et tout ça, mais vous l'aurez compris, aujourd'hui vous avez une pâle copie de vététiste. Donc, on va monter tranquille par là. La DFCI en retraite. Les vététistes en carton. Donc, on va se remonter ça à tranquillou. On s'est déjà fait 1 km 70, 136 mètres de dénivelé. On s'accroche. On continue l'ascension tranquillou. Regardez-moi comme c'est beau. On est bien, on est à l'abri du vent. Il fait pas froid comme le matin tôt. Bon, on en chie, mais c'est au top. Le premier petit single montant de cette sortie, toujours aussi beau. On est bien, franchement, même si c'est difficile pour moi, en tout cas ça fait un bien fou. Il faut le faire, il faut s'accrocher et puis la forme elle reviendra bien, un de ces quatre. On va adapter les petites sorties et on va récupérer, histoire de ne pas se dégoûter non plus. Dans des endroits comme ça, on ne peut pas se dégoûter. Ça descend bien chouille. Allez mon baba. Allez, ça monte toujours. On crache. Les toxines, les mauvaises choses accumulées dans la semaine, gras et acide atomique. Enfin bref, on en chie quoi. Allez, ça continue de monter tranquillou bilou sur une DFCI avec du coup un cardio beaucoup moins élevé, c'est plus cool et ça fait bien notre affaire ça. Philippe qui communie avec les belles aiguilles de Valbel. Exactement ça. À chaque montée. Je m'arrête pas ici, c'est un souci. Allez, bah, on est toujours en train de monter. Ça descendra un petit peu plus tard, hein, on verra. Peut-être que ça monte jusqu'aux voitures, je sais pas, j'ai pas bien compris la sortie. Là, il y a un petit mur qui va arriver. Et après, un joli point de vue. Voilà, on s'accroche, pour l'instant ça va, on y va chilling, le rythme est tranquille, du coup ben, ça se passe
tranquille. Aïe, ça se monte. Ça se monte. Allez, c'est gagné. Bon ben voilà, on est dans les derniers coups de pédale de cette montée. On a fait 10 bornes, 437 mètres de dénivelé pour une seule montée. Je suis content parce que la fréquence cardiaque elle a pas bougé depuis le départ. Je suis constant, j'ai deux traits. Ça a pas bronché depuis le départ, vraiment top. Enfin, c'est peut-être aussi parce que j'ai oublié de mettre la ceinture, alors peut-être pour ça que les traits n'ont pas bougé, je sais pas. Ou alors c'est que j'ai vraiment récupéré la forme. Allez, je vous montre le panorama. Alors, on va attendre les copains avant d'y aller. Je les ai payés pour qu'ils me laissent arriver en premier. En fait, je suis parti un quart d'heure avant, quoi. Allez, on a Philippe, regardez-moi cette aisance ouais, dans la côte. Toi, tu arrives facile avec ton électrique, hein. Faut te moquer des... Et il arrive avec aisance dans la côte, même pas il force. La fatigue se voit presque pas sur son visage. Ah, franchement, au top. Allez les amis, c'est pour vous montrer ça qu'on est venu jusqu'à là. En plus, il fait beau aujourd'hui. On a une vue dégagée de partout. C'est cadeau. C'est pour moi. Mais pas beau là ? On est un petit peu par là, mais pas grand, pas beaucoup. Mais ça fait du bien, on va le prendre. Je sais pas si vous l'avez reconnu, ça c'est un petit single qu'on prend habituellement, mais dans l'autre sens. Parce qu'il est plus à profil descendant que dans l'autre sens, quoi. Mais il est super. Je me demande si... Tu es le pied coincé. Attends, là, tu vas le tenir. Oh papa, qu'est-ce que t'as fait? C'est bon, tu l'as... Attends, bouge pas, parce qu'il faut que je lui décoince le pied. Attrape-moi. Tu sais Baba, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Baba, là? Sans déconner. Baba, il nous a fait une glissade de la mort. Attends, ton pied droit dessous. Récupère. T'es pas fait mal? Non, non. Tu sais que c'est peut-être le fait d'avoir le pied coincé qui t'a sauvé? Eh oui, parce qu'il est... Non, non. Ah, je rigole parce qu'il s'est... Je rigole parce qu'il s'est pas fait mal, là, franchement, parce que là, franchement, il aurait pu se tuer. Ah, alors là, j'aurais aimé te filmer lors de la chute, quand même, parce que ça devait être beau. Oh, mais à l'arrêt, j'étais à l'arrêt, je cherchais à reclipser le pied, et je sais pas ce que j'ai ramené. Chef, j'ai glissé, et chef. Et couille encore. Et on continue. Dans ce single, en petit sous-bois après les exploits de Baba. Bon, on en rigole parce que franchement il s'est pas fait mal, mais vraiment il a eu du cul parce qu'il s'est coincé le pied dans le... C'est le vélo qui l'a tenu parce qu'il aurait... Franchement, il aurait pu se faire très mal. Bon, c'est rigolo du coup parce qu'il s'est pas fait mal, mais... Du coup on a la vignette. Allez, on pédale encore dans un bel endroit. Mais Woon pour ça c'est... Ça foisonne de petits singles comme ça, magnifiques entre les chaînes. Putain, c'est un bonheur. C'est un pur plaisir de faire du VTT là-dedans. Allez, est-ce qu'on va le monter ça? Non, on va pas le monter. Le chef il a dit qu'on allait se faire une petite boucle là-haut, on n'allait pas chercher les descentes de suite. Alors on va faire une petite boucle là-haut. On s'exécute tranquillement. On est qu'à 500 dénivelés, c'est pas assez. Ouais, on n'est pas à 500 dénivelés, donc c'est pas assez. Faut qu'on arrive à 1500 minimum.
Ça, on verra bien si on coupe avant ou pas, quoi. À 600 par exemple, ça serait bien qu'on coupe. Ouais, je pense qu'à 600 on va revenir. Enfin, on verra bien, quoi. Toujours des objectifs un petit peu plus haut que ce qu'on doit faire, hein, pour se motiver. Toujours sur le plateau de je sais plus où. De Sioublan. De Sioublan, pardon. C'est beau. Là, c'est un petit chemin qu'on n'a jamais pris. C'est de l'inédit. Donc, toujours sous un beau soleil. Et puis après tout ça, on va s'attaquer à les petits tronçons de descente qui vont nous ramener aux voitures. Pratiquement tout ce doit descendre après la petite montée carrée. On va pouvoir se faire plaisir. Allez, dernier petit tronçon de montée. Et on sera arrivé à nos 600 mètres de dénivelé. Allez, on attaque doucement avec la petite descente, la première. Oh bah elle aurait pas été bien longue. Bon, faux départ. Mais c'est... Ça sent mieux celle-là. Ah ouais. Quelle cause. Ça glisse. Je n'ai pas assez mon avant. J'ai failli me faire sanctionner. On se reprend tous les petits singles descendants qui coupent la DFCI. Celui-là aussi il est bien sympa. Ouh. En plus ça glisse avant. Faire quand même un petit peu gaffe. Mais il est bien bien sympa ce côté. C'est là-bas surtout. Je tiens pas trop. Il n'y a rien passé. Oh, c'est que du bueno cela. Pour reprendre les inspections du capitaine. Oh, par contre, il y a plus de rochers avec de la mousse, alors il va falloir faire un petit peu plus attention. Garder un petit peu de vitesse. Pas trop toucher le frein avant. Et laisser couler. Surtout là. Ouf. Allez, c'est passé. C'était pas trop passé comme ça. Il y avait Philippe en embuscade derrière. Ah. Allez papa. Au top. Alors ce nouveau vélo. Ah tu m'étonnes, ça fait un moment puisqu'on en a plus fait, les bras ils ramassent. Hein. Yes papa. Allez, c'est reparti pour une autre. Là, on les enchaîne. Oh merde, on aurait pu passer par là aussi. Ah, elles sont pas bonnes. Franchement, ça s'est fait attendre jusqu'à la fin. Parce qu'on a fait que de monter pour faire des grosses descentes. Pour redescendre quoi, tout jusqu'à la fin. Par contre, c'est que du bon. Que du bon, que du bon, que du bon. Ça glisse un peu. Ça va encore. Tant qu'on n'est pas par terre, c'est bon signe. Ça peut arriver. Pfiou, là, là, putain. Oh, putain, je suis passé. Je suis passé. Un petit peu sauter, mais vraiment un tout petit peu.
regarde bien parce que franchement ça glisse. Bien concentré. Ouh. Oh, elle était bien bonne celle-là aussi. Donc là normalement on aurait dû prendre à gauche, faire des super descentes, mais bon il y en a qui ont des crampes, on ne citera pas de nom parce qu'on n'est pas comme ça ici. Ah mais ils sont connus au club. Philippe, pardon excusez-moi, ma langue a forgé. Non, donc on va rentrer, tranquillou. Ça sert à rien de se tuer. Comme on a dit, c'est des sorties reprises pour l'instant. Et on a fait une belle reprise. Très très belle. Avec les copains, ça fait du bien. On renoue un peu avec la civilisation. On se fait plaisir dans les singles. Ouais, on se fait plaisir dans les singles. On a fait que du bon aujourd'hui. Que du bon encore. Voilà, ouais. On aura fait une petite sortie, je pense, à la fin. 26 bornes pour 650 mètres de dénivelé. C'est très très bien pour des sorties reprises. En espérant que les kilos ils descendent un petit peu aussi. Bon, ça aussi il va falloir faire gaffe à la bouffe, mais ça c'est une autre discussion. Rencontre avec des chèvres. Pour une fois, la chèvre c'est pas moi. Ouais, parce que je vous vois. C'est mes copines, mes sœurs. Du coup c'est parti pour un petit ensemble descente en IFCI. Non, ça a été. Allez, on peut descendre par là. Peu de technique, hein, on le prend. Hein. Ouais. Il a failli me manger le mollet, le cabot. Hein. Attention, je pouvais pas m'arrêter, j'arrivais trop fort, donc je me suis dit, dans tous les cas, il aura peur. Si je m'arrête, c'est pire. De roue en descente qui nous ramène aux voitures. Encore une bien belle sortie qu'on a fait avec les copains. Ça fait du bien en plus de pouvoir sortir avec eux, de les revoir. Puis ça fait du bien de sortir tout court un petit peu en forêt sur nos VTT, de retrouver les sensations. Les sensations étaient meilleures quand même que dimanche dernier dans les petites descentes. Et finalement, ben, j'en ai quand même moins chié que ce que je pensais, parce qu'ici c'est quand même beaucoup plus cardio que ce qu'on a fait dimanche dernier. Et finalement, ça s'est très très bien déroulé. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette petite sortie vous aura plu. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour, j'espère, une autre sortie et encore avec la forme. J'espère que vous aussi vous éclatez autant que moi sur votre VTT. Allez, ciao tout le monde, à plus !